and it hot to the very end. I'm making your body move, yeah. Bro, I'm kissing the rules, up for the fire and the fuel. When I'm packing a punch and it's knocking my track, and I'm not turning back on that. C'était trop beau et en effet, c'était vraiment grandiose. Je pense que c'est la meilleure façon de découvrir le Tarn, de faire cette course. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que l'ambiance, parce que les copains, parce que les ravitaux tous les 15 km. Et voilà, t'essayes de prendre du plaisir et de tout donner sur la durée comme ça. Bah forcément, il y a des hauts et des bas. Et quand ça va pas, bah, faut juste lever la tête, quoi, voir où t'es et ça se passe bien. Que du plaisir. Merci à l'organisation parce que franchement, c'était parfait à chaque ravito, à chaque endroit un peu dangereux, il y avait quelqu'un. Canon, ça donne envie de revenir. On était en sub tandem gonflable, ça passe partout, c'est génial. À refaire. C'est l'endroit qu'on adore et la rivière, elle est fabuleuse, quoi. C'est tout le temps des petits rapides, il faut se placer. Le challenge, c'était passer le plus debout quand même. Parce que je suis kayakiste, mais l'idée, c'est quand même respecter l'esprit du sup. Il y a une super ambiance, enfin, c'est la Tawara, quoi. Le paysage, c'est juste une folie, parce que quand on a un petit coup de mou, on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, tellement c'est beau. Donc petit à petit, on avance, on fait les kilomètres, on se fait régaler, et puis vivement la prochaine. On signe déjà pour la 2023.